Bonjour tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto que j'avais envie de faire. Alors, vous savez que chez Action, on trouve ce liège comme ça qui est doublé avec... Comment ? Il est déjà collé, pré-collé quoi. Donc voilà. Donc, avec, j'ai pris un dies smile, comme ceci, et le hello. Donc avec, on arrive à faire quelque chose comme ceci, on arrive à le découper. Donc ça se découpe très très bien, franchement c'est super bien. Et j'avais envie de tester autre chose, je voulais l'embosser. Donc je vais vous mettre sur mes mains. Donc là, j'ai pris le dies avec le pot, une feuille comme ceci de liège. J'espère que je n'ai pas coupé trop juste. Non, c'est bon. Et du coup, j'ai pris des petits cœurs aussi. Donc je passe le tout dans la Big Shot. Déjà pour commencer. Celui-ci ne va pas rentrer, c'est plus petit. Hop. Voilà. Donc ça se coupe, mais vraiment très très bien. Il n'y a pas de souci particulier dessus. Et donc vous voyez, on arrive à ceci. Donc ça fait vraiment la forme de notre peau. Donc là, je vais juste enlever... la petite partie du pot qui doit être ouverte. Donc, on arrive à ça. Voilà. Et le cœur, nous avons ceci. Donc dessus, sur mon petit pot, je que je vais mettre dessus. J'ai un papillon là que je peux mettre à la rigueur. On va tenter avec ça. Donc, j'ai pris un papillon. Hop. J'ai la Versamarque. Donc. On va faire un deuxième. Essayez de voir à peu près où c'est que je l'ai fait. Voilà. Nous allons prendre de la poudre embossée blanche, donc celle-ci. Il m'aurait fallu une feuille blanche. Oh, je vais bien avoir ça qui traîne. Là, je vais avoir ça là. Je ferme ici. Donc on obtient ceci.
et j'en mets à côté. Oh. Hop, je vais récupérer ce que j'ai mis à côté. Alors, je sais pas chez vous, mais alors nous, c'est très très chaud aujourd'hui. C'est limite intenable. Et donc, du coup, j'approche mon piston. Hop là. Donc, attention aux oreilles. Et nous obtenons ceci. Donc ça fait sympa. Là, si on peut recommencer sur le cœur, donc au pire des cas, soit on le laisse comme ça, ou soit on peut lui mettre un petit message love dessus. Mais je trouvais ça très sympa. Donc là, on peut mettre... Après, on rajoute ça sur une carte. Ça donne un petit effet. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir. Vous voyez ? Voilà, on peut faire ça. On peut... Alors, je pense qu'un embossage blanc, c'est ce qui rend le mieux. Parce que, ou sinon, vraiment une couleur. Une couleur plus foncée, mais ou qui pète un peu plus dans les oranges, les bleus. Mais ça, j'en ai pas. J'ai que du blanc, du transparent et du or. Je pense que or, ça ressort pas sur le liège. Je pense pas. Ce qu'il y a de mieux, c'est quand même le blanc. Je pense que le blanc est quand même. Qu'il y a de mieux sur le liège, à mon avis. Hein. Après, chacun fait comme il veut. Hein. Donc voilà. Voilà ce qu'on peut faire avec le petit liège qu'on trouve chez Action. Je trouve que ça reste sympa. Il n'est pas très très cher. Hein. Ne demandez plus le prix, je ne sais plus, mais. C'est pas cher, ça fait sur une carte, je pense que ça peut être sympa. Surtout les mots comme ceci, je pense que celui-ci, ça peut rendre super sympa. Smile et Léo comme ça. Donc voilà mon petit tuto d'aujourd'hui. Donc sur ce, je vous embrasse, je vous dis à bientôt et scrapez bien. Bisous !